をめぐり、すべてのシャーマンにその時を告げる。大いなる破壊を大いなる再生へ変える救世主、シャーマンキングを決める戦い。それがシャーマンファイトだ。アミダユ、真空ぶっ下げれ。言ったはずだ。オイラは無理はしない。だから無理じゃない。全ては自分の意志と自分で決めた道を歩む。それが自分で決めた道。我迷わず。俺には夢がある。そのためには何が何でもシャーマンキングにならなきゃなんねんだ。ヨウは何があってもヨウでいられる。だから私はそんなヨウを愛してる。ちんちん。J'espère réellement que le trailer vous a plu. Il est incroyable, hein. Du coup, c'est un jeu en 3D, tour par tour a priori. Et on va attaquer tout ce qu'il faut savoir concernant le jeu dans cette vidéo. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait énormément plaisir. Avant toute chose, avec Fufu, on a prévu un petit truc sur Twitter. Sur la page qu'il a créée concernant le jeu Shaman King Funbari Chronicle FR. De toute façon, je vous mettrai, j'ai ouvert un nouvel onglet et je vous mettrai le lien de la page Twitter et du Discord. Faudra faire péter ça, les gars. Et le jeu a un énorme potentiel. Du coup, avant d'entamer toutes les informations, quel est le petit truc qu'on a prévu avec Fufu? C'est tout simple. On va aller sur la page Twitter. Du coup, on a prévu de faire, enfin de créer un hashtag pour la licence. Pas seulement pour le jeu, mais pour la licence. Et au moment où l'annonce, le tweet sera fait. Alors, je crois que c'est là. Ok, dès qu'il fera l'annonce ici, qu'on fera, c'est... L'hashtag qu'il faudra mettre, ça sera Shaman King 2021. Shaman King 2021. Comme ça. Je le mets de suite. Imaginons que ça soit ce tweet-là. Ça sera pas celui-là, mais imaginons que ça soit lui. Une fois que, dans tous les cas, ça sera noté ici. On va le partager avec plusieurs autres pages. Avec tous les autres réseaux sociaux et tout. On va faire un truc où on va péter ça. Et vous allez kiffer. Du coup, le hashtag, ça sera ça. Shaman King 2021, comme ça. Il faudrait qu'on le mette en top tendance ici. Au moins 2000 tweets. Faudrait qu'on le mette en top tendance dans le top 10 en France. Ça sera une dinguerie. Shaman King. Je pense qu'on va prendre Shaman King Games, comme ça. Ça va attirer plus de monde. Comme ça, vu que les jeux vont être plus... faut booster vraiment les préinscriptions au maximum. Déjà, là, maintenant qu'on a attaqué le hashtag et le petit truc qu'on compte faire avec Fufu, maintenant, ce qu'il faudra faire, les gars, pour se préinscrire, c'est simple. Vous avez juste besoin de faire un truc très très simple. Vous allez sur la page officielle japonaise, ici, et vous avez juste besoin de les follow. Dites-vous que là, en l'espace de 2-3 heures, ils ont déjà gagné plus de 1000 abonnés. Dites-vous que quand
l'animé, enfin le dernier épisode va sortir chez nous en Europe et chez les Anglais. Ils vont doubler, voire tripler d'abonnés. Je pense que réellement, d'ici un mois, voire un mois et demi, on atteindra les 150 000, voire 200 000. Réellement, c'est largement plausible. Maintenant, concernant la date de sortie, quand est-ce qu'il sort? Il est prévu pour 2021. C'est noté ici. On va attaquer tout ça ensemble après, vous inquiétez pas. Concernant le contenu in-game et tout. Du coup, 2021, il n'y a pas encore de date. J'espère qu'il sortira en automne, du coup avant fin décembre, qu'on puisse profiter des événements de Noël, des événements des persos spéciaux, enfin des caractères uniques et tout. Comme ça vendra mieux le jeu. Maintenant, on va attaquer les détails du jeu. Je parle pas des développeurs ou quoi, mais quel est le type de jeu? C'est un jeu tour par tour en 3D où ça va regrouper les personnages et les cartes. Du coup, voilà les cartes. Il y a déjà un panel, un large panel de cartes qu'on a ici. Il y a quoi au total? Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Du coup, 6, 12, il y en a 12 pour le moment. Bon, là, c'est le movie, j'ai pas besoin de vous montrer ça. Et ici, on a, du coup, voilà, en bas, c'est les cartes. Et là, en haut, on a les personnages. Les personnages que je vais vous montrer de suite, ici. Caractère. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de personnages, on en a 7. Et réellement, avec tout ce qu'ils ont prévu pour la sortie, ne vous inquiétez pas, on en aura largement plus. Et même dans le trailer, ils nous ont montré une vingtaine de personnages différents. Là, c'est vraiment la base de la base des personnages et des cartes sur lesquelles on va invoquer. On va repasser maintenant aux screenshots qui sont ici. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a également les screenshots. Bon, là, ça met du temps à charger. Voilà, il y a ce personnage qui sera jouable. Il y aura plusieurs versions de personnages, comme dans tous les gachas auxquels on a joué auparavant. Et attendez, et je crois qu'ils ont sorti pas mal d'autres choses. On doit aller sur une autre page. Attendez quelques secondes. Voilà, on est ici. Du coup, comme vous savez, c'est développé par Studio Z. Enfin, il y a deux producteurs derrière, deux développeurs derrière. Et c'est géré par Shaman King Project. L'éditeur, c'est Shaman King Project. Du coup, ça représente bien l'animé. Ça suit la série. Faudra pas s'inquiéter là-dessus. N'oublie pas de lâcher le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Du coup, voilà quelques screenshots. Il y a quoi d'autre? Je vais vous montrer quoi. Voilà, un personnage jouable. Là aussi, ce sera un personnage jouable. Vous l'avez vu dans le trailer que les graphismes sont présents. Je vais vous montrer un autre truc aussi. Une attaque. Déjà, le système d'étoiles qui ressemble fortement à celui de Bleach Vessel. Désolé pour le petit bruit de téléphone, la petite vibration. Du coup, il y aura un système de break limit. Ils nous ont montré ici d'ailleurs aussi. Du coup, un système de rareté qui va de 3 à 5 étoiles, je pense. Enfin, on va dire 3 et 4 étoiles. Et break limit à 5 étoiles. Je ne sais pas encore comment ils vont s'y prendre. Mais voilà. Illustration de modèle 3D, écran de jeu et scénario. Une équipe de développement avec de nombreux fans pour la licence de Shaman King pour se faire face dans le meilleur univers au milieu des fans. Des fans, le bon, la traduction est un peu dégueulasse, mais bon, on va aller un peu dans les nouvelles parce que j'ai pas encore vérifié les nouvelles.
Alors on est ici. Il n'y a pas grand-chose. Ah voilà. Ça met un peu de temps à charger. Page line. Ok. YouTube. Tous les réseaux sociaux sont ici. On verra un peu comment ça va. Comment ils vont donner ça. Comment ils vont bien présenter ça. Alors ils ont dit. J'avais vu un truc là. Il y avait écrit RPG. Après, ouais, ça sera un jeu de tour par tour. De ce qu'on a vu dans le trailer et tout, on verra par la suite. Du coup, on pourra invoquer sur deux types de portails. Portail de personnages et portail de cartes. Espérons que le prix des, enfin, le prix en monnaie dans le jeu soit différent entre celui de portail de caractère et le portail de cartes, histoire de pouvoir bien équilibrer les deux facettes des portails. Et qu'on mette pas autant d'argent sur un portail de cartes qu'un portail de personnages. Du coup, ça va ressembler plus ou moins à ça. Est-ce que je vous ai déjà montré ça? Ça, c'est l'interface. On pourra changer. On va drop. Le personnage, on pourra le mettre en fond d'écran dans le jeu. Il y a ça aussi. L'attaque spé. Grave intéressante et magnifique. Hein. Sauf que là, c'est pas une qualité de fou. A priori, on aura trois persos. On aura trois cartes sur le personnage, un peu à la Ninja Voltage. Ben, on va dire même un peu à la Konosuba, si j'ai pas de bêtises. Il y a quoi d'autre? Ok. Enfin, je vous ai tout montré. Ouais, je vous ai bien tout montré. Du coup, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas que ce soir, l'annonce sera faite sur les réseaux sociaux. Ils seront disponibles, bien sûr, dans la barre de description et en commentaire. On vous préparera tout bien comme il le faut pour mettre en tendance ce hashtag qu'on vient d'avoir, enfin, dont on a décidé de faire un petit truc spécial concernant le jeu et la licence. Sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de venir me suivre sur les réseaux Twitter et Discord qui seront également disponibles dans la barre de description. Je vous dis ciao et à la prochaine. Peace.